J'ai brûlé mon ongle. Regarde. Ouais. Regardez comment elle a mis. À tout de suite. Ah, attends, j'ai choisi le cheval. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester des mythes. Comme par exemple, vous avez déjà vu sur TikTok peut-être que si on met un œuf ici, dans ta main, au milieu, et que tu forces, l'œuf ne se casse pas. Donc aujourd'hui, on va tester ce mythe pour savoir ben, si ça se casse ou ça ne casse pas, si c'est un fail ou si c'est bon, si le mythe il est vrai. Et on va aussi tester avec des autres mythes. Donc peut-être que vous avez déjà vu ces mythes et que vous voulez tester mais vous n'avez pas pu. Cette fois-ci, vous allez le faire avec nous. Donc c'est parti. Là j'ai peur, Amélia m'a ramené du tabasco. Regardez-moi. Donc j'ai vu sur Internet que soi-disant, si tu manges quelque chose de piquant et pour apaiser le piment, faut manger de la tomate. Oui, on sait déjà qu'on peut prendre du pain ou du lait pour que ça apaise. Mais là cette fois-ci on va tester de la tomate. Amélia t'abuses, en plus c'est Doritos, ça pique super fort. C'est Doritos plus le tabasco. Mais il y a Melta Chips. Toujours plus pour moi. Ben voilà. Ah, même pas là. Allez, 3, 2, 1. Ça va bien, bon. On joue. 3, 1. 3, 2, 1. Bon, la tomate ça a pas trop marché. Au début ça apaise, mais le piment il revient donc. Ça fait un effet trop bizarre et ça pique de plus en plus fort. Fail. Next. Amélia, tant qu'on a les Doritos, est-ce que tu savais que les Doritos ils pouvaient brûler? Non, je savais pas. Regarde, on va essayer ça tout de suite. C'est parce qu'il y a trop de trucs chimiques en fait. Et ça fonctionne. Je vais tester. Comment on l'appelle? Jamais réussi à allumer une allumette, moi. C'est pas une allumette, ça s'appelle un briquet. Un briquet. De toute façon, ça donne fait du feu. Je fais. Bref, voilà. Ça brûle comme un papier. Donc, ce mythe, c'est pas un fail. Là, ça c'est marche. Vrai, regardez. Si vous savez d'autres mythes avec des Doritos, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Donc, cette fois-ci, on va faire quelque chose avec Mac USB que j'ai toujours voulu faire. Dans mon collège, on m'a toujours dit qu'il faut jamais retirer Mac USB sans avoir fermé les fichiers de Mac USB. Et que ça pouvait faire un problème à Mac USB. Donc cette fois-ci, on va tester ensemble si ça va, il y aura un problème ou pas. J'ai toujours voulu tester. Donc voici mes documents. J'en ai pas beaucoup, hein. C'était juste pour le collège. Donc voici mon diaporama que j'ai fait. Donc maintenant, on enlève. T'as pas peur, Mel? De toute façon, j'ai déjà fait mon... En plus, regarde, c'est écrit éjecter USB avant de le déconnecter ou de l'éteindre. Même l'ordinateur, il prévient qu'il faut pas faire comme ça. Allez. Donc, vous pensez que Mac USB marche toujours ou pas? Dites-moi en commentaire. Bon, moi, je vais vous dire. Elle marche encore. Donc, voilà, mon diaporama marche toujours. Il n'y a rien. Donc... Et voilà, ce mythe, il est validé. C'est... Non, c'est un échec en fait. Bon, nous on l'a testé et ça fonctionne encore, mais vous n'essayez pas chez vous vu que l'ordinateur il nous dit de pas le faire. Donc voici nos deux ingrédients, Amélia. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ben c'est à moi de te poser cette question. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, Amélia, tu vois, des fois quand tu t'endors, tout dans la bouche et ben ça s'accroche à tes cheveux. Et ben voilà, en fait, c'est ça le problème. Le mythe, c'est qu'à ce qui paraît, grâce au beurre de cacahuète, on peut enlever le chewing-gum des cheveux. Donc on va tester ça tout de suite. Ah mais tu sais que si on n'arrive pas à l'enlever, ça va, on devra couper hein. Mm-hmm. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Regardez comment elle a mis. Il y a un gros nœud maintenant.
On va commencer sur toi. Tu crash test. Voilà, voilà, voilà. Ouais, ça c'est en train de partir. Hein. Oh, meuf, ça part. Ben non. Ah, j'ai perdu la moitié de mes cheveux. C'est parti. Amel, je vais me laver tout de suite les cheveux. Alors Elena, elle avait carrément vrai. Ça s'enlève. Ça s'enlève, mais par contre c'est galère. Ouah. Du coup ce test est validé, regarde moi j'ai plus rien. On a même mis de l'eau un peu après, il n'y a plus rien. T'as réussi Amélia? Donc si votre petit frère ou votre petite soeur s'accroche les chewing-gum dans les cheveux, maintenant vous n'êtes plus obligé de couper, vous pouvez utiliser du beurre de cacahuète. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire fondre ces trois barbes à papa dans ce petit verre? On va essayer ça tout de suite. Moi je pense que oui, toi? Ouais, moi aussi je pense. Vas-y, moi je commence, regardez. Bon, c'est déjà... Là, ça bloque. Ah, ça veut plus? Non, c'est bon. Après, ça va faire bonne poisson. Et bonne boisson. Voilà. Ah, ça plie un peu. Voilà. Donne-moi le bleu, donne-moi le bleu. On ne peut pas résister. Tiens, Daniel. Voilà. Allez, Amel, ça marche, hein? Ouais, ça marche. Ça coule un peu, hein, mais ça marche. Ça coule hein. Un peu, mais ça marche. On peut faire fondre une grande quantité de par papa dans une petite quantité d'eau. Il y a quoi qui reste? Plein de sucre. Que du sucre, attendez. Regardez, que du sucre. Ça, tu manges, Amel? Ça a l'air pas très appétissant tout ça. Hein. La cyberace, mythe, c'est que si tu manges une banane et en même temps tu bois du Sprite, bah t'as envie de vomir. Voilà. Donc on va tester ça. Hein. Mm-hmm. Déjà, j'ai même pas envie de manger. Dégueulasse. Bon, t'as la baleine? Non, merci. Bah, t'es obligée? Ouais, tu t'en vas bien? Non, je me sens bien. Mais moi aussi, donc c'est un fail, c'est nul! C'est un fou mythe. Un TikTok, c'est le Sprite Challenge qui était sur TikTok il y a même pas 2-3 mois. Et en fait, le but c'était de boire tout le Sprite sans roter en fait. Mais là, c'est ce qu'on va faire. Et à la fin, ils rotaient tous comme des ogres. Donc là, on va essayer. Allez. Moi, j'aime pas trop le Sprite. T'aimes pas? Bah, t'es obligé. Moi, je vais boire comme ça, moi, j'aime pas. Moi. Je préfère soit le coca, soit l'ice tea. J'ai mal au ventre, mais j'ai toujours mal au ventre. Pas mal au ventre. Bois plus vite alors. Ah, j'ai mal au ventre. Ah, encore. C'est remonté jusqu'à mon nez. T'as perdu le challenge, je suis pas obligée de boire tout le Sprite. Moi j'y arrive, à mettre la parole. Elle est en train de filmer. Amel est partie aux toilettes et moi depuis tout à l'heure ça fait que sortir tout seul. Oh là là. Le mythe c'est vrai, tu peux pas te retenir. Donc là dans ce round, le mythe c'est celui que je vous ai présenté au début, que vous avez déjà vu peut-être sur TikTok, sur YouTube. C'est mettre un œuf au milieu de la paume de ta main et appuyer super fort, et à ce qui paraît ça doit pas se casser. Donc on va essayer ça. 3, 2, 1.
Alors Amélia, elle me disait non mais ça se peut pas et tout au début de la vidéo. Je suis sûre que ça se casse. Ça se casse pas? Mais tu vois bien que non. Attends mais j'y arrive pas vraiment. Je pensais que j'allais réussir. Non mais tu réussis ça. Comme ça, genre. Non, non, non. Comme ça. Ça s'appelle la triche. Non. Ça s'appelle la triche. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas, les deux. Bon, attends, mais c'est un œuf. C'est un œuf. Œuf que vous. Je pensais que c'est un fou que nous parlons. Il y en a. Oh. Voilà, voilà, j'ai réussi, j'ai trop de la force. Voilà, je sais. Il y en a, ils le mettent là et après. Essaye, ils... essaye. Ça marche pas. J'ai mal à l'aspirer. Bien, je vais le faire. Attends. Moi, je pense que Lina, tu l'as cassé juste parce qu'ici, il y a eu un petit brisement. Ouais, je l'ai fait tomber un moment, mais c'est pas grave. Ah, je cherche pas. Viens, j'essaye avec mon pull, c'est pas grave. Ah, mais ça fait mal en plus. Bien. Non, ça marche pas. Elina. Et quoi? Regarde. Ouais, bien sûr, hein, c'est dégueulasse. Donc moi je pense que ce mythe, ben en fait il marche vraiment. C'est juste que moi je l'ai fait tomber un moment et je pense qu'il s'est un peu ouvert. Et toi aussi Amélia, t'as fait le choix de le faire tomber pour l'ouvrir fort. Du coup ben en vrai ça marche. Vous pouvez essayer chez vous, c'est simple. Vous prenez un œuf, vous le mettez dans la main et vous serrez fort et ça va pas se casser. Je sais pas si vous avez déjà vu, mais normalement quand on a un verre en plastique comme ça et qu'on met de l'eau et que on commence à le brûler, ça va s'arrêter jusqu'à la ça va s'arrêter jusqu'au niveau de l'eau. Le problème c'est qu'on n'a pas trouvé des verres en plastique dans les magasins, donc cette fois-ci on va tester un verre en carton. C'est pas qu'on n'a pas trouvé, c'est juste qu'ils en vendent plus de verres en plastique. Donc. Non. Il faut rester longtemps. Ah, c'est bon. J'ai réussi. Venez, j'ai fait tout le tour. Comme ça, ça va plus vite. Hop là. Ah, j'ai brûlé mon ongle. Jaune. Vous pouvez m'aider si vous plaît. Mais depuis quand ça brûle des ongles? Bon là ça arrive à l'eau bientôt. Là ça va arriver jusqu'à l'eau. Et je suis sûre que ça va s'arrêter aussi. Oh ça s'arrête pile poil. Et ça marche vraiment. Je pensais pas en vrai. 500. Non, non, tombe là, pas dans le verre. Voilà. Regardez. Ça marche vraiment, ok. Et là, ça s'est arrêté. Et toi, Amélia? Mais toi, ça prend le temps, moi je dis que je sais pas lui. Moi aussi, ça s'arrête jusqu'au niveau de l'eau. Donc, pas besoin d'avoir carrément un verre en plastique, on peut l'avoir en carton aussi. Ouais, non, mais en fait, moi je pense plus au mix. Regardez mon ongle. Il est fendu en deux, je savais pas que ça allait brûler. Regardez la différence, il est devenu jaune. Ce mythe, il est réussi. Ouais, ça marche. Franchement, j'aime trop. C'est trop satisfaisant comment ça fond. Et comment ça s'arrête d'un coup de quand il y a l'eau. C'est parfait. Dans le mythe, ils disent que si tu te mets debout sur ces verres en gobelet, bah ça ne se casse pas. Donc Amélia va l'essayer. Donc vous pensez que ça va se casser ou pas? Et voilà, ça fonctionne. Oh, ça marche. Ça marche. Donc ce mythe là, correct. Donc ce mythe il a fonctionné. Donc ce mythe il est correct. Ouais, voilà, c'est la fin de ce challenge. On a testé plusieurs mythes. N'hésitez pas à dire en commentaire votre mythe préféré en commentaire. Et celui que vous avez déjà testé peut-être chez vous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu et on vous dit à la prochaine. Bisous. Et bien sûr n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner.